Bonjour à tous, comme je vous en avais parlé dans ma première vidéo, je reviens pour vous donner mes impressions sur une première utilisation du trépied Manfrotto Bifree GT X Pro version aluminium. Et bien, première sortie dimanche, chasse aux champignons. Donc j'en ai pas trouvé des comestibles, mais j'en ai trouvé à photographier. Donc je vais vous montrer ça. Également, bon, première impression au niveau du poids, donc il fait 2 kg. Bon, sur une petite randonnée ce dimanche, le poids n'a pas été un souci avec le petit sac fourni, avec la partie boltonnée. Donc c'est parfait pour porter en plus du sac à dos photo, ou alors accrocher un sac à dos photo. Même pour une rando de plus longue durée, ça aurait très bien pu le faire. Donc j'ai utilisé le trépied en version, on va dire, en utilisation macro, c'est-à-dire que j'ai mis mes pieds, chaque pied à plat, comme ceci, avec le blocage. Hop. Et j'ai défait la colonne centrale avec ici, en appuyant sur le petit bouton, j'incline, hop, je resserre. Et donc je me suis retrouvé dans la forêt avec mon trépied complètement à plat, hyper stable, parce que ça prend quand même une amplitude quand même assez conséquente. Et encore là, les pieds ne sont pas dépliés, donc si je déplie, j'ai encore plus d'assises. Et donc l'appareil fixé ici, tous ces réglages fluides permettent de faire un cadrage vraiment aux petits oignons, et chaque réglage est souple, fluide. Hop, il n'y a pas d'à-coup. Une fois que c'est serré sans excès, ça ne bouge plus. Donc c'est vraiment un très bon outil. Je vous mets là une photo de la configuration dans la forêt quand j'ai pris des petits champignons violets. Également sur d'autres types de photos autres que champignons qui sont généralement au ras du sol, j'ai pu faire d'autres photos, et c'est vrai que j'apprécie énormément la hauteur de ce trépied sans déplier la colonne centrale, bien sûr. Je vais vous faire voir. J'appuie sur ici, je mets dans la petite encoche, et donc là, quand je déplie le trépied. Alors, pour vous donner une idée, je mesure 1,79 m. Et donc, vous allez voir que, même sans déplier la colonne centrale, parce que sur le dépliant technique, ils mettent 1,64 m. Et je pensais que ça allait être un petit peu bas. Et en fait, voilà, tout est OK. Et je me retrouve avec l'appareil photo qui, ici, je ne l'ai pas vu qu'il est en train de me filmer, et je me retrouve avec le viseur en fait à hauteur d'œil. Donc c'est vraiment agréable. Et si jamais j'ai besoin de monter encore un petit peu plus, vu qu'il n'y a qu'une section pour la colonne, eh bien j'ai de la stabilité, ça ne bouge pas, et là je me retrouve à être vraiment sur la pointe des pieds. Mais bon, pour faire une vue par exemple en plongée, eh bien, ça peut être assez efficace. Voilà. Je m'en mets. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette première utilisation. Je reviendrai une fois que j'aurai fait de la photo de nuit, parce que c'est quand même un de mes sujets de prédilection. Et sur ce, je vous dis à bientôt.